Salut amis gamers, amis gamers, ici Emulac pour Axe Factory. Aujourd'hui on se retrouve sur Overwatch en compagnie de Boubac. Salut Boubac. Salut, salut. Et on se retrouve donc pour la première vidéo de cette saison 6. Donc ça sera pas tout top 500 puisqu'on galère à chaque fois. Donc on va juste faire la saison 6 et puis on verra où ça va nous mener. Bon, pour l'instant ça part mal. Mais on sait jamais, peut-être que... Ouais. Alors en plus il faut savoir que les saisons sont plus courtes maintenant, donc que 2 mois. Ce que je trouve bien. Parce que 3 mois c'était bien. Moi c'est ce qui me fait chier, c'est ça. C'est les durées. Oh, putain. Voilà, et là Gamez finit sur ça. Moi c'est les durées des manches de KOTH. Voilà, ça me dégoûte. Ah oui, ouais, c'est vrai que bon là t'as vite passé, hein. Ouais, alors, vous voyez les deux premières défaites, donc ça faisait plaisir. Mais effectivement, ouais, tu fais bien de le dire, parce que là, en fait, sur la partie de Lilios, je le savais, mais je m'en souvenais plus. Et tu sais, je croyais qu'on avait encore 2-3 manches, et quand j'ai vu qu'on avait perdu, ça m'a fait chier, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, bah, les KOTH... Donc d'un côté, c'est bien, parce que tu sais, quand tu torches l'équipe, voilà, ça fait 2 matchs et manches et tu t'en parles plus. Et bon, maintenant, du coup, tu peux moins retourner la situation. Après, c'est vrai que c'est moins frustrant, mais bon. Je sais pas, c'est compliqué. Moi, je préférais 5, au moins, t'es sûr de... Ouais, c'est ça. Ah, c'est compliqué, quand même. Ça dépend, parce que ça a duré longtemps. Moi, ça, sur certaines vidéos, c'est vrai que quand je les voyais, tu sais, avant que je pouvais passer, c'est vrai qu'il y avait certaines vidéos, elles duraient 30 minutes, quoi. Donc c'est énorme, une partie de 30 minutes pour juste gagner 20 points ou en perdre 30, tu sais. D'ailleurs, il y a le nouveau système de points, là, donc là, on verra pas, parce que bah, c'est les parties de classement, mais... Où lorsqu'on gagne, on gagne 15 points, et quand on perd, on perd 15 points, et il n'y a plus de majoration qui fait que plus tu gagnes, plus tu vas gagner quelques points en plus, genre t'as passé de 30 à 40, ensuite enfin tu vois, et pour perdre c'est pareil, donc du coup c'est moi je trouve que c'est sympa, même si ça nous fait stagner plus du coup, mais au moins quand t'es dans une bonne soirée comme ça nous est arrivé assez souvent dans les autres saisons, et ben tu les perds pas au bout d'une autre soirée ou tu vois, parce que nous en fait ce qui se passait quand nous on faisait des soirées d'Overwatch quoi. Là, imaginons la première soirée où on se gave, on gagne genre 150 de côte, et la soirée d'après on tombe qu'avec des gags ou alors on joue mal et on perd 100 de côte. Enfin, tu vois, c'était l'ascenseur émotionnel quoi. Et le truc aussi, le boost de points quoi, pour points de côte, en début de saison il est pas aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est bien aussi. Ouais, ça faisait une. Si tu te gavais juste après ta début de saison, tu pouvais atterrir à. Mais du coup, ça faisait que des joueurs n'étaient pas à leur niveau, tu vois. Parce qu'après, ils étaient boostés. Ils se sont boostés un peu et après. Ils jouent plus ou alors ils rejouent, mais ça nickel. Donc là, je trouve que c'est bienvenu ces trucs. En plus, maintenant, on peut reporter les. Alors, je sais pas si ça marche. Bac a des doutes sur le fait que ça marche. Moi, je pense que ça peut marcher maintenant. Finalement, ça c'est juste le côté chiant, parce que le mec il va se faire bannir, déjà il va pas se faire bannir définitivement, je crois que ça c'est pas possible. Et en plus, ouais, tu vois, sûrement un mec qui fait un smurf, il doit en avoir d'autres où il a son cas principal. Non, moi le truc pourquoi j'y crois pas trop, c'est que je pense que sur Overwatch PS4 ou quoi, des gens qui se seraient fait ban, ils auraient déjà râlé, tu vois, genre oh, putain, il se fait ban parce que je fais des troll kicks ou des trucs comme ça. Tu vois, j'ai pris main, j'ai bloqué dans le spawn. Ils auraient déjà râlé, mais là il n'y a rien, j'ai pas eu de retour de ça. Ah ouais. Du coup, ah ouais, tu veux dire sur les groupes? Sur les groupes, je suis pas allé regarder sur Reddit ou quoi, ou sur le forum de Blizzard, mais ça en fait, c'est ça qui me. Mais parce que là en fait, en ce moment, donc sur la première semaine, bon, franchement, elle est pas dégueulasse la première semaine. On va dire qu'on stagne énormément et sur une côte qui, bon, moi je trouve c'est une insulte, mais voilà. Donc vous verrez bien, mais oh, on se tape des mecs de ouf, hein. Genre le mec on va gagner 2 manches, on va leur rouler dessus, le mec il s'emplit, il va prendre un Enzo, tu sais, parce qu'il se dit ouais, ils sont bidons, et en fait il nous roule dessus après, enfin c'est... Là on jouait à 5, donc Banshee qui est une personne du groupe Overwatch PS4 France, qu'on salue, Riporan que vous connaissez, Lida aussi, Lida qui a eu, donc qui habite vers Dunkerque. Donc déjà c'est compliqué, et en plus de ça, je crois, ouais, c'était première semaine, début de la première semaine, il a eu un orage, un gros orage, et du coup ça fait une coupure d'électricité, il a plus internet depuis, donc là il a perdu 50 de côte déjà, donc ça commence à lui niquer ce truc quoi. Ah ouais, non mais ça va lui, encore ça va, ouais, lui ça va. Lui. Par rapport à nous ça va. Toi ça va encore, hein, je sais que tu mérites mieux, mais... Ouais, mais ça me gave.
Après, ouais, c'est vrai que certaines parties. Là, on était sur KOTH ou Oasis. Donc, bon, en ce moment, je prends. Il y a vraiment Saria où je carry énormément. Tresor, je peux plus la prendre. Je peux plus la prendre, c'est. Il faut vraiment une équipe de ouf, quoi. Pour ça, juste après, on va voir la Tresor. Hein. Ouais. Elle a un Ah, mais je peux plus, hein. Je peux vraiment plus. Mais après, moi aussi, ça m'arrive de faire de la merde avec maintenant. Mais tant que t'as pas une bonne équipe, alors que Lazaria, tu vois, il me faut pas trop de heal, il me faut. Même Reaper, j'aime bien jouer Reaper. Reaper, il peut se heal quand il tire sur quelqu'un. Soldier, j'aime pas l'utiliser, mais. Il y avait un double reste de Deborah. Un peu du mal à. Faire des restes de 5. Quoi qu'elle arrive, si, je suis mauvais dans le Bon, là, Anna, elle a healé bien, franchement, là, je sais bien. Là, je mets un petit shield à Nida parce qu'il était mal de mal. Ouais. Là, elle est. Donc là, on était à 1-1. Donc c'est là, dites-vous bien que c'est. Parce que le premier point d'un KOTH, c'est souvent on voit un peu à quoi ressemblent les gens, à quoi ils servent. Voilà. Donc déjà ça c'est un round intermédiaire de reconnaissance. Donc lui qui gagne c'est voilà mais c'est pas voilà et voilà tu vois. Et après t'es obligé de te gaver parce que sinon c'est tu perds déjà le match. Je trouve c'est un peu là je faisais le taf hein. Ouais, mais bon. En plus j'avais beaucoup d'énergie. J'ai déjà pris 30%, on galère à taper le point. Ils arrivaient bien. Ouais. Alors Winston avait putain non il nous suffisait d'un Reaper mais après ils avaient une Pharah. Enfin, là, franchement, Pharah, je la vois beaucoup moins. Depuis le up de Chacal que je trouve énorme, franchement, je trouve que c'est pas abusé, tu vois. Tu vois, je trouve que c'est pas un up abusé et puis ça le permet d'être pris, tu vois. Et on voit plus de Chacal maintenant que de Pharah. Moi, je pense que je suis encore. Bon, je vais faire le mec qui gueule. Mais moi, c'est Pharah, je trouve qu'elle mérite un nerf, quoi. Hein, c'est, là. Tu vois, je trouve que c'est ça. Là aussi, on est derrière. Et ouais, du coup, ça leur permet d'avoir plus près de 100, tu vois. Là, on a encore une défaite. Non, c'est ça. Donc, vous voyez, début de partie de placement. Je crois qu'on l'a fait en une soirée, là. C'est sûr, on l'a fait en une soirée. On l'a fait une soirée, bon. Mauvaise soirée. Ouais, on n'aurait pas dû faire tout d'un coup, mais. Voilà, en fait, là, voilà, à partir de la 5ème, Deborah a dû partir. Du coup, avec Onida et Onida, qu'on a continué à 3. Ouais, c'était le vendredi soir, la reprise. Moi, j'étais content de reprendre, tu sais. Bah ça m'a pas déçu quoi. Alors en plus bientôt il y aura Radio Quintin donc ça sera super cool. Toi maintenant faut dire aussi t'aimes bien. Alors peut-être hein mais je dis bien je mets bien ça au conditionnel. Tu vas peut-être prendre des vidéos pour la prochaine saison. Parce que en fait Bach fait des bons moves avec Reinhardt, il voulait le faire. Parce que c'est vrai que Reinhardt c'est pas un mec pique assez souvent. Pourtant c'est un mec skillé quand même. Quand tu fais des bons trucs j'essaie c'est de penser un peu son. C'est dommage, tu vois, c'est dommage. Après, le souci qu'on a avec le fait que Bac prenne en vidéo, c'est qu'il aura beaucoup plus de boulot. Je pense qu'il pourra répondre. Pas forcément dans que... tes vidéos, mais je pense des fois quand il fait des bonnes soirées. Des ouais, parce qu'en fait, le truc c'est quoi? C'est que bon, là par exemple, bon pour la première, pour le parti de placement, c'est du vidéo, donc ça va. Renard, il dépend beaucoup. Ouais, du heal. S'il n'y a pas de DPS ou si le DPS. Il gère pas, tu vois, par exemple pour me suivre ou quoi, ou pour vous niquer le shield de votre Reinhardt. Ah oui, mais je me souviens de ce point. Oui. Genre, je me gave et on vous avez à perdre. On se gave. Mais attends, on se gave. Là, moi je meurs. Ah toi, ouais. Tu étais tout seul. Ah, franchement, je te gave. C'est spartiate. Et juste après, j'arrive. Toi, tu meurs et c'est bon, c'est la demande d'Adam. Je crois pas que je meurs. Oui, si. Tu meurs. Ah ouais Je te fais une violence. Bon, après, j'avais du heal de ouf. Hein. Mais je fais une défense aussi. Voilà, là j'arrive. Voilà. Ah, ça donne envie de jouer ça. Je te jure. Et donc, du coup, là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de ce que tu fais. Là, je meurs, meurs une voix. Là par exemple, pour la première semaine, j'étais passé 30 vidéos en sachant que j'ai déjà fait un travail de. Bon, un travail rapide de tri, vraiment des parties qui étaient dégueulasses. Et déjà 30 vidéos, c'est énorme. Sachant qu'on a un travail chacun, que le soir on préfère jouer plutôt que. Ce qui est normal, hein. Même là, ça me fait chier de faire la. Ça me fait pas chier de faire la vidéo parce que ça me fait plaisir de vous montrer, mais. Ah, tu fais le 2
Putain, voilà. Je t'ai fait avec du taré par là. Et franchement, en tant qu'on gérait là. Ah bah regarde, on défend. Là c'est nos DPS qui. Et là c'était fini, ça y est, point. Là Soldier a fait une triple non, kill, ça c'est ce que j'appelle le syndrome de Soldier, ça veut dire qu'il fait du kill que pendant son ult, voilà. Le mec. Après Soldier c'est pas un mec. Enfin moi je trouve que c'est pas un mec. Oh, il y a un Reinhardt, il y a un angle, c'est pas ils se disent on va le prendre. Lucio qui peut se boost de vitesse, il le. Donc là ça faisait déjà 4 défaites, ouais, là je commence à crier fort là. Ah putain, ah c'est horrible, hein, c'est parti comme ouais, ça. C'est ça. Donc là on repart avec la. En plus maintenant on stagne tellement qu'on arrive à revoir des mecs. Tu sais un peu comme quand on était pas loin du top 500 là. Qu'on arrive à voir des. Tu sais qu'on voyait des mecs top 500 qu'on commence à connaître, ça. Ouais. Et bah là où on stagne c'est pareil maintenant. Bon sauf que c'est pas des top 500, c'est loin d'être des top 500. Tu sais à peu près comment si tu vas perdre ou pas, tu sais. Grave. J'ai dit bon, celui-là il est mauvais. Alors d'ailleurs, je crois que je lui ai pas dit, mais faudrait que je lui dise, mais on a trouvé un super joueur qui s'appelle Green. Sur, en jouant nous deux quoi. Parce que là c'est vrai qu'en ce moment on joue là, pas mal à deux. J'ai loupé le cadeau. Ouais. Donc on lui passe le. Bon, vous le verrez certainement pas là, mais dans les vidéos de la première semaine, je pense que oui. Qui est vachement complet hein, d'ailleurs. J'ai hâte de le voir jouer avec Nida. Enfin, qu'on joue à 4 quoi. On pourra prendre les mecs de tank ou lui prendre. Ouais, non, c'est vrai qu'il est décompté. Ouais. En ce moment, je m'amuse, entre guillemets, mais je m'amuse à reprendre. Là, c'est ma manette qui buguait. Ouais, c'est ma manette. Je t'ai fait un quickscope wallbang et tout ça, tu vois. Non, mais des fois, ma manette, ça fait qu'elle bug. Regarde, mais la vie que je perds, c'est juste un truc. La Phara, ça me. Ma manette, elle bug des fois, tu sais, elle a. Au niveau du Bluetooth, je sais pas comment ça fait. Tu sais, c'est un Bluetooth la manette, non? Oui, c'est Bluetooth. Des fois, elle se déconnecte. Enfin, tu vois, elle a une perte de connexion, je crois, de connectivité. Bah, ça fait pareil pour mon casque. Quand ouais, tu. Des fois, c'est bah. Bonne, vois, c'est je pense que. Tu sais, c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû à mon décodeur, tu vois, je pense. Non, mais. Je pense si, que. Si, parce que moi, quand je l'avais plus, ça allait mieux. Le switch. Ah ouais? Regarde, là, c'est hallucinant. Putain, j'ai pas vu. Mon bouclier était presque mort. Lui son bouclier était 9. Ah mais c'est ça mais. Tout ça, le temps, on tout pense temps. Pas beaucoup ouais. Moi pourtant je me donne hein, pour le là seul. J'avais pas de vie. Je restais back, c'est pour ça, hein. Sinon j'ai pas de vie. Ah, au bout d'un moment j'ai dû dire ramène toi parce que. Voilà, et là on les a torchés. Voilà, j'ai franchement on vraiment qu'il le top. Voilà, ouais. Là, c'est en fait, ils ont fait une défense, ils étaient pas du tout en haut, ils étaient pas tous pas qu'en haut. Et j'ai vu qu'il y avait déjà le soldier et tout, donc je me suis dit, on va y aller. Ouais. Là, j'attends. Viens d'empaler, non, tu te fais empaler. Ouais. Avec un petit shield. Non, là, je l'avais pas mis, là, je l'ai mis. Oui, là, je vais me le mettre. Là, j'avais 4 PV. Je me dis, j'ai quand même avancé avec Boubac parce que. Voilà, on a quand même, on les a torchés, mais on a quand même galéré, je crois, pour les faire. Non, celui-là, on a pris en premier, mais on a perdu. Ah ouais. J'ai spoil, on a perdu. Ah, mais c'est un truc de ouf. Je te jure, regarde. Regardez, là, on est en défense déjà, ça veut dire. On avait mis 3 points quand même avec 3 minutes. T'es sûr qu'on perd? Certain. Oh non, on a pas fait ça. Je te jure. Ça. Là, je meurs. Ah ouais, non. Oh non, mais je me gave en plus, c'est pas dire. Non, mais là, tu meurs pas direct, hein, tout ça. Ah bah là, t'as commencé à faire du dessin. Là, je descends, j'ai peut-être dû rester en haut. Non, tu sais pas, tu fais un petit et tout. Après, t'as vu, tu es un peu tout. Bien, victoire, regarde, en haut à gauche. Ah. Attends. Putain. Ah, ils ont une minute, non, on a 3 minutes, on perd, merde. On est pas, ça arrive à ce niveau-là. Non, mais il y a une partie, j'en suis sûr, ça nous fait ça. C'est genre. On se gave, rien après. Bah, alors là, vous noterez que. Non, la 7ème partie, mais j'ai complètement zappé de prendre la 8ème partie en fait. On a commencé le match et je me suis aperçu au milieu de partie. Je sais même pas si on gagne d'ailleurs. Je sais même pas si on gagne. De toute façon, je vais être sincère, on n'a pas fait grand chose. Hein, la partie placement. Là. C'est pas. Là, bah, là par exemple, Tracer c'est un perso que j'aime bien. Enfin, en tout cas pour le premier point, le deuxième point c'est un peu plus compliqué, mais c'est un perso que j'aime bien prendre. Bon, là je suis passé côté gauche, c'était pas une bonne idée. Mais... Là tu me fais rentrer dans le fight. Kill. Oh. Ah. Est-ce que c'est la fameuse Orisa? Parce qu'on... Non. Non, c'est pas là. Parce qu'on a fait une partie avec une Orisa, franchement ça valait le coup. Ah, bah oui, c'était celle-là. Tu penses? Avec le Bastion. Orisa Bastion. Tu penses? C'était deux Arabes.
Oui, c'était bizarre. Ah, si, si, si. Oui, 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 oui. Oh putain, ouais, elle est magnifique cette partie. Ouais, c'est là, ouais. C'est fils de puterie fois 1000 quoi. Mais vraiment, hein. Bastion. Vous allez rester bête là des pics que je vais prendre. dis pas, spoil pas cette fois-ci. Faut qu'il reste. Oh. Ah, Ida qui fait un plein vol. Là, j'essaie d'aider la Rissa. Bon, lui, je sais que je vais le calmer. D'accord. Nida, il gère avec la parole. Donc là, je prends un soldier parce qu'en fait, on galérait, mais vraiment. Ouais, niveau phara après. Ouais. Se gagner. Bon, là, je t'ai boosté Rissa, donc c'était. Là, je devais à la petite ange, t'sais. Et là, je vais me faire tuer, je crois. Je vais tuer. Quand même. Non mais attends, le pire c'est quoi, c'est que je sais pas si tu l'avais laissé, d'ailleurs j'ai réussi à avoir le skill. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça déjà, là je prends Ange en défense, donc voilà. Mais là, c'est... ça c'est une très belle action. Mm. Moi je protège Nida ult, et toi tu me heal parce que... Mais en plus, parce que... Ah putain t'as pas mis. Parce qu'en fait si vous voulez, ce qui s'est passé c'est que le Bastion se mettait top gauche, et moi j'arrêtais pas de le boost, mais c'était un truc de ouf. Hein. Mm. Et à un moment je me souviens, donc moi il parlait, et même s'ils étaient arabes, ils parlaient anglais. Et à un moment, le mec il me dit, tu sais, il faisait un des derniers push, et moi j'avais mon res. Et le mec il me dit, ouais, cache-toi, tu vois. Et moi, je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'heal, je vais pour le heal, mais genre j'ai. Ah, mais une anguille, mais en plein milieu du fight, mais c'est. Tu sais, genre je. Mais en plus, ça fait, j'ai rigolé, mais c'est bon. Enfin, j'ai rigolé, mais j'ai stressé parce que je me suis dit, si je meurs, je vais me faire engueuler, tu sais. Genre, c'était. Bon, je vais sur toi, après je vais sur Nida, tu vois. Après, je me dis, le mec il me dit cache-toi. Je me dis, bon, je me cacher. Je me mets derrière, tu sais, derrière le point. Et il y avait Faucheur, il commence à me voir, je jump sur Nida. Enfin, c'était tout de ouf. Et j'ai quand même réussi à survivre. C'est ça qui est bon avec une commande. Ouais, qu'elle arrive à survivre. Voilà, c'est sa capacité à survivre. Ma capacité à survivre n'était due que au dash en fait. Si tu veux. Ouais. Tu vois, c'était même pas les mecs, ils savaient pas viser. C'est qu'en fait. Tu voulais lui coller là-bas. Tu voulais pas le coller. Ouais, parce qu'en fait le point il commence, tu vois, il était à 92 là. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce qu'il recule. Ah, je peux absolument reculer. Ça j'aime trop ça. Tu sais, il arrive d'un vrai nain. Tu joues à combien de sensibilité là? Parce que tu joues pas beaucoup pendant une année. Mais avec Tracer, Angéry, tu... Non, alors là, je joue à 60 ou 70, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Alors, je sais pas si je l'avais fait là, mais j'ai baissé à fond l'aide à la visée, parce que en fait, j'étais à 100, comme de base, quoi. Et je l'ai descendu à 50, parce que c'était abusé, des fois. Là, ça se voit pas trop, mais quand t'es près de quelqu'un, il va viser... Enfin, tu vois, c'est tout... avec Tracer, ouais, c'est vraiment cramé. Ouais. C'est vraiment, vraiment cramé, quoi. Ça suit beaucoup trop. Par exemple, si t'es sur une Mercy... t'as pas envie de tirer sur le Reinhardt pour qu'il te crame, tu vois. Oh putain, bilan de merde. Franchement, je vais vous dire, hein, c'est mes pires parties de placement depuis le début du jeu. Donc ça fait plus d'un an. Hein. Tu vois, il y avait Raph là. On dit bonjour à Raph. Qui a repris les cours. Ouais. Donc du coup, pas trop souvent connecté. Plus jamais. Ouais, mais c'est bien, il pense à ses études. Enfin, ses parents pensent à ses études. Alors j'aime bien quand tu joues Lucio parce qu'on a très très bon heal. En plus t'es mobile donc tu meurs pas comme ça, tu vois. Ouais, moi j'ai rien. Lucio c'est... interdit, je meurs. Ouais. Je suis toujours au dernier limite. Là il se fait plaisir le Reinhardt. Il tape bien sur le bouclier juste arrière comme ça. Mais il se régale parce que je le booste, je te jure lui. J'aimerais avoir un Lucio. Ah là regarde, elle était hyper low là. J'aimerais avoir un Lucio comme moi avec lui. Je te jure. Quand je joue un Lucio. Ah non, tu t'arrives à me... Oh, ouais, je sais pas si je me fais heal en plus avec la Ana. Ah, j'aime trop quand je suis rempli comme ça, là. Tu sais qu'il suffit juste que l'équipe, elle survive pour que moi, je les file tous, tu vois. Déjà, une Zarya comme ça, une Diva comme ça, là, j'aime. Voilà, je crois que je vais servir. Je savais, je me suis encore... Là, elle, je voulais absolument la tuer parce que je me suis dit, elle va peut-être avoir son occupé. Voilà, j'ai eu chaud. Ouais, il met son truc juste là, donc je me fais vraiment la roche. Bon, ça c'est cool maintenant qu'il puisse pas partir. Ouais. Là, je mets mon bouclier. Tout était calculé. Ah, franchement. Franchement, avec Zarya, je vais pas dire, mais j'ai un très bon niveau. Franchement, j'ai un bon niveau. Là, j'utilise plus mes boules parce que c'est vrai qu'avant j'utilise. Là, on se gave là. Ouais.
tu es d'accord là, c'est ok, bien, on va perdre, c'est ça. j'en ai marre de... Mais je crois que la défense, on s'est fait rouler dessus en plus. Hein. Bah c'est... t'as vu comment on prend le premier point là? Facilement. Mmh. Ah bah pareil. Mais facile genre. Mais c'est... en plus, je vous dis mon nom. Je vous jure, c'est frustrant parce que les mecs sont pas bons quoi. Vous avez dû tous avoir cette sensation où vous vous dites, mais comment je fais pour perdre, tu vois? Tu sais que les mecs sont moins bons, tu sais que. Après, c'est une question de concentration aussi, mais bon, je vous assure, hein, je sais pas si. Je sais pas sur PC parce que j'ai pas encore dû classer sur PC, mais sur Play ça se ressemble beaucoup. Quoi, les gens qui. Je sais que sur PC c'est la même chose, tu vois, mais à 3000 pour moi, j'estime que ça devrait être un niveau. Et c'est là où tu vois les consoles elles sont en retard quoi. En termes de niveau, 3000 ça devrait être déjà un bon niveau, tu vois. Où tu dis, bon, les mecs qui jouent sérieux, bah 3000 sur console, si t'as déjà joué aux jeux vidéo, aux FPS ou quoi, c'est simple, c'est vraiment simple. Donc. Ouais, en plus, il est lourd. Moi, les Genji, j'aime trop avec ça. Si tu vises bien. Allez, fais sur PT. Là, moi je suis allé chercher la manche. Là elle va se faire la reste. Voilà, ton cadre est parfait. Non, c'est pas le tien. Putain, ça m'étonne. Mais bon, il était bien aussi. Hein. Ouais, bah, mon ulti. Ah oui, si, ton ulti. Ouais. Ah, parce que j'ai vu la reste, ouais, t'as bien fait. Là, tu vois, je faisais une série de 20. Elle a été fou. Putain, regarde, putain, mais moi j'aimerais trop voir un Renard comme ça. Il est boost vitesse, il était accolé à la Zarya. Non, mais franchement, le Renard, il gère rien. Franchement, bah, après, c'est souvent, tu vois, t'étais toujours avec lui, mais. Mais regarde. C'est bien d'avoir des tanks, des fois, qui font le taf un peu quand même. Lui, il se cachait là. Lui, je crois, il a fait le taf. Ah ouais? Ouais, il a fait le taf. Moi, c'était dans la. C'est ma Flinger, je crois. Ouais. Flinger, ça me dit que. Ouais. Dès que je vois du heal là dans le coin, bon là je vois que c'est mort. Ouais, bah essayez les prendre du heal, c'est heal là. Ouais. Ah, je l'ai mis trop tôt. Oh, là tu vois, je prends du recul pour me faire le Genji. Chacal c'est un bon pick maintenant, franchement j'ai bien. Il est même utile contre les phares. Ouais, ouais, si tu lances bien ta. Même mais tous les petits DPS, genre. Genji, Tracer, Pharah. Bon, Pharah c'est un peu plus complexe, tu vois. Parce qu'il faut bien lancer sa mine ou bien lancer ses grenades. Mais bon, là, vous voyez qu'ils nous ont déjà pris 3 points. Mais contre un Genji ou une Tracer, franchement, c'est simple. Hein. Le Genji saute à côté de toi, tu lui mets une mine, il est déjà mal. Hein. Il est déjà très mal. Hein. Donc. Mais une grenade, une mine. Ah putain, je m'en souviens d'ici. Ils vont nous arrêter juste après l'arc. L'arche, pardon. On le prend quand même, hein, tu vois, c'est ça. Non, franchement, on en a fait du bon taf. Ouais, on a fait. Parce que là, en fait, ils envoient tous leurs ults et on n'a pas d'ange. Et c'est ça qui nous dit. Non. Un ult. Et je l'ai dit au moins 50 fois. Para derrière. Mais personne ne m'écoute. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas pour aller chercher un ça. Moi, je pouvais pas. Bon, le Renard, il peut pas. Mida, peut-être avec son Genji, encore c'est compliqué. Regarde, Para. On la voit tous, hein, qu'elle décolle. Avec la merci, mais c'est pas grave. Là, elle a le match. Là, elle a vu que je vais le shield en plus. Là, en plus, on allait les fumer. Ça y est, non, mais regarde. Putain. Dommage, je suis monté. Hallucinant. Oh, une foule, elle a fait quad. Putain. Une quad, plus après, ils ont continué un peu les kills, c'est fini. Vous voyez, je suis 3274 à la fin des parties de placement. Donc, bon, c'est pas terrible. Sachant que j'ai fini 3300 et quelques à la fin de la saison 5. Pour diverses raisons, bon, du coup, voilà, ils m'ont fait perdre de son code. Donc voilà, bah, je te remercie de m'avoir commenté cette vidéo avec moi et d'avoir monté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la première semaine. D'ici là, ne rage quittez pas et soyez bonjour. Allez, ciao tout le monde. Ciao.